Coucou mes amours, j'espère que ça va. Écoutez, moi je suis au top de ma forme. Je suis en train de voir qu'il y a mon pyjama qui traîne sur le lit. Je suis désolée. Je repars le truc qui est le tue-l'amour tout complètement. Et mon lit à moitié fait, mais c'est parce que de toute façon je suis pas une dingue de ça. De toute façon, moi du moment que je dors bien dedans, la journée il est complètement aéré. Et puis dès que je fais des vidéos, c'est réglé. Donc cette nouvelle vidéo c'est un haul, j'avais envie d'en faire au moins un depuis très longtemps et en fait c'est le haul de ce mois-ci. Et chaque mois je vais vous montrer en fait ce que je me suis acheté, ce pourquoi j'ai craqué. Même si des fois c'est des achats qui ne devraient pas en être parce que forcément mon banquier et mon compte en banque leur dit non, faut arrêter, c'est plus possible. Mais donc voilà, j'avoue j'ai craqué sur plein de choses ce mois-ci et donc chaque mois je vais essayer de regrouper en fait tout ce pourquoi j'ai craqué. Allez, j'arrête de parler pour rien, je commence par le meilleur parce que pour moi ça c'est le meilleur. J'ai craqué pourquoi? J'ai craqué pour le Kit Too Faced, donc je vous en avais parlé, c'était la collection de Noël et en fait bah, c'est un haul que je voulais absolument faire parce que bah, justement Too Faced c'est une marque que j'adore. Donc dans ce haul effectivement il y aura aussi donc, un peu de Too Faced mais il n'y aura pas que, il y aura de tout. Et donc bah voilà, c'est ce kit là qui m'a fait craquer, donc je l'avais trouvé sur eBay pour un prix mais vraiment super correct. Donc 9 bien sûr, heureusement, merci mon dieu. Et donc c'est 4 couleurs que j'adore, que j'ai adoptées. Donc ça c'est la couleur de celui-là que j'ai. Et chaque vidéo que je ferai prochainement, je vous dirai lesquelles c'est. Bon là celui-là c'est le Metallic Peony. J'en suis vraiment tombée gaga, j'en suis amoureuse et je le mets même pour aller bosser, donc pour vous dire. Donc ce kit Too Faced, je suis vraiment pas déçue de l'avoir acheté. C'est vraiment un bon achat. En plus j'utilise quasiment tout le temps, donc franchement rien à dire. On passe au deuxième objet. Qui est encore Too Faced, je suis désolée. Donc en fait c'est cette palette là, c'est la palette Love. Ça fait longtemps que je la voulais en fait et j'ai profité de descendre à Montpellier ce mois-ci pour l'acheter. Et donc en fait c'est la palette Love qui était sortie donc il y a un petit moment, hein. Je sais pas si vous voyez bien, elle est comme ça, elle est magnifique, elle est magique. Et donc cette palette là, elle est comme ça, donc vachement irisée. C'est des tons qui sont assez jolis et qui vont sur quasiment toutes les blondes comme moi, enfin châtain, mais bon, moi je sais que toutes ces couleurs là je les utilise, c'est pas un souci. Et la plus jolie que j'adore c'est ce marron pailleté or, enfin c'est vachement, je sais pas si vous voyez bien, mais perso, enfin moi j'en suis mes gaga. Et dans cette palette ce qui est génial c'est qu'il y a aussi un eyeliner pour les voyages et tout, donc je sais que là je repars ce week-end et ben je serais bien contente de l'avoir, c'est vraiment quelque chose que j'aime et que c'est une palette que j'ai adoptée. Et chaque fois que je pars en voyage, de toute façon c'est la première que j'emmène hein, évidemment, avec la Peach, parce que ces deux palettes là c'est mes incontournables, faut vraiment je peux pas les lâcher. On part sur de la fantaisie, j'ai craqué sur les Jelly Belly, donc c'est ces fameux bonbons qui ont des goûts bizarres, goût pêche, goût poire juteuse, goût popcorn, ça c'est les meilleurs goûts, hein, mais t'as gaz entendu, dentifrice, bête d'azur, œuf pourri, vomi. Et donc je vais faire prochainement une ou deux vidéos là-dessus, juste pour rigoler, pour le fun, où je vous présenterai une auteure ou un artiste, et puis bah en parlant de sa pub, et ben il vous devra manger les bonbons que je choisirai. J'adore déjà. Donc une vidéo prochaine à venir qui devrait vraiment vous plaire les chéris. À côté de ça j'ai craqué sur AliExpress et ouais ils ont des choses en fait mais qui sont géniales AliExpress. J'ai craqué sur deux kits de palettes, la première donc c'est un kit Hello Kitty qui m'a coûté même pas 5€ avec plein de mini pinceaux, alors franchement format voyage et tout mais tip top. Et d'ailleurs c'est les mêmes pinceaux hein, quasiment qu'en neuf bien sûr, que je vous fais gagner dans mon autre vidéo concours swap. Donc allez-y, abonnez-vous, partagez, likez parce que le concours prend fin bientôt. Et honnêtement il y a plein de belles choses, il y avait aussi un sac des iguales et tout. On continue sur les pinceaux, j'ai craqué sur ce kit de pinceaux sur AliExpress aussi, ça m'a coûté genre 7€. J'avais une pochette complète avec plein de beaux pinceaux dedans et donc bah comme mon chéri il est très minutieux et qu'il adore me faire plaisir, il m'a trouvé un mini vase, il a rempli de sable et du coup bah voilà j'ai une super déco et en plus de ça je peux les utiliser tous les jours. Bon là ils paraissent neufs et beaux mais en fait c'est juste que je les ai lavés et fait sécher, à part le pinceau à fond de teint, celui-là il a un peu de mal à sécher, c'est une horreur. D'ailleurs faut que je vous fasse une vidéo à l'occasion de comment on lave les pinceaux, c'est trop délire. Et encore sur AliExpress j'ai craqué sur ce nouveau kit de pinceaux mais que je trouve fantastique et magnifique. Donc bon bah, ma couleur préférée encore une fois et l'autre encore une couleur préférée, le rose et le bleu. Et donc bah voilà j'ai craqué, j'en suis dingue. Donc honnêtement si vous avez le temps d'aller sur AliExpress faites-vous plaisir, à part que ça met beaucoup de temps à venir. J'en profite pour boire mon thé chez Joma, je prends 10 petites secondes les amours. Désolée, c'est juste que quand je parle beaucoup, j'ai la gorge très sèche. Je suis bien contente de pouvoir avoir mon petit thé à disposition, c'est pratique. On continue dans mes achats complètement loufoques. Alors j'ai acheté ces lunettes de soleil. Me posez pas de questions, j'en ai aucune idée de pourquoi je les ai achetées parce que je trouvais ça complètement bizarre et trop marrant et donc du coup bah voilà j'ai craqué aussi sur AliExpress. Hein, donc ça a mis 3 semaines à arriver, mais du coup je suis contente. Je les avais commandées en février, je les ai reçues que maintenant. 3 semaines et 3 mois quoi, c'est trop fort. Et alors ensuite, j'ai pas pensé qu'à moi, j'ai aussi pensé à ma voiture. Donc j'ai racheté des nouveaux fossiles que je mets sur ma Fiat. Et donc à la base c'est des sites pour les mini mais aussi pour les Fiat. Et ça vaut même pas 10€ sur eBay. Et du coup bah voilà, j'ai racheté un kit
J'avais le choix entre rose avec des paillettes ou noir, tout simple. Mais en fait, ma voiture, elle est tellement chouquinette avec ses fossiles tout normaux que du coup, j'ai recraqué pour ce kit à fossiles. Comme quoi, je ne pense pas qu'à moi, hein, je suis une fille bien. À côté de ça, bah voilà, moi je suis une femme qui adore lire et donc j'ai besoin de lecture. Ma lecture du mois, bah c'était 3 livres. Donc bah j'ai financé celui-ci, Guillaume Musso, La fille de Brooklyn, qui est mais top, franchement. Rien à voir avec son ancien livre que j'avais pas compris. Celui-là il est génial, c'est un thriller, c'est une enquête. C'est des faits divers qu'il a réutilisés, tout se passant donc encore en Amérique et en Angleterre. Et ça se passe aussi à un moment en Alsace. Hein, donc franchement, j'étais trop choquée parce qu'il parle, je crois, de la Lorraine même. Et donc franchement, mais trop contente de voir que Musso parle de notre belle région. Donc honnêtement, les filles, si vous n'avez pas encore ce bouquin dans votre bibliothèque, mais craquez quoi, parce que franchement, c'est de la folie. Ça vaut mais trop le coup. Et à côté de ça, bah, j'avais encore envie de lecture et j'ai une super adorable auteure qui m'a dit, bah écoute, je te passe mon livre. Et donc bah, je l'ai lu et il est d'enfer. C'est L'Espoir, c'est de Sophie Henriquez, qui va sortir un livre prochainement. D'ailleurs, je vais en faire une interview face, il faudra que je regarde comment ça va se passer. D'ailleurs, c'est même elle qui va peut-être me servir de cobaye pour les Jelly Belly, ça va être trop bien. Et donc bah voilà, je suis trop contente. Du coup, j'ai pu lire encore son livre qui est d'enfer, c'est son premier roman, qui parle en fait d'une jeune femme ronde qui a perdu l'espoir et qui en fait trouve le grand amour. Il y a des extraterrestres, il y a des choses mais qui sont mais énormes. Il y a une espèce d'enquête et tout, enfin c'est un délire son bouquin, il est génial. Donc je vous le concède, moi enfin je l'ai adoré, je l'ai dévoré en pas longtemps. Donc bah n'hésitez pas à lire du Sophie Henriquez parce que franchement c'est Sophie Henriquez, ah, c'est ça. Mais franchement allez-y les amours parce que je vous promets ça vaut mais trop le coup. On continue dans les bouquins. Ça c'est encore un livre aussi que j'ai lu ce mois-ci parce que bon j'en ai plusieurs, faut pas croire hein. J'ai adoré lire celui-là, Les âmes vagabondes. C'est la fille de Twilight, celle qui a écrit Twilight, qui a écrit celui-là. J'ai eu du mal à accrocher mais franchement il est d'enfer ce livre. Du coup j'ai eu le film aussi en occasion mais qui met encore mieux que le bouquin. Et honnêtement je vais me le regarder en boucle chaque fois que je vais me faire des crêpes. Maintenant ça sera plus Les Pirates des Caraïbes, ça sera Les âmes vagabondes. C'est un roman mais qui m'est hallucinant. Une belle histoire d'amour, un quatuor mais extraordinaire. Enfin, je vais pas vous raconter l'histoire, je préfère que vous la découvriez vous-même. Allez-y, quoi, commandez ce bouquin parce qu'il est mais génial. Moi perso, je vais me le racheter parce qu'on me l'a prêté, mais il faut vraiment que je me le rachète. Je vous en reparlerai peut-être le mois prochain. On continue dans mes achats, pas forcément inutile, quelque chose d'utile. J'ai craqué sur cette brosse en fait, qui est normalement une brosse lissante. J'ai toujours pas compris comment ça marche, il faut que je vous fasse une vidéo à l'occasion aussi là-dessus. Parce qu'en fait, c'est une brosse qu'il faut qu'il chauffe et puis donc qui devrait lisser les cheveux. Je l'ai utilisée aujourd'hui, je crois que je sais pas encore l'utiliser correctement, c'est pour ça que pour la vidéo j'attendrai de savoir l'utiliser. J'ai pas dû faire comme il faut, je sais pas, je reprendrai mon lisseur pour le moment, mais franchement je l'ai pas payé cher. Je l'ai aussi acheté sur AliExpress, elle m'a coûté 18 €. Bon bah voilà, c'est pas un achat non plus qui est trop énorme, mis bout à bout c'est vrai que ça commence à faire cher, mais bon honnêtement je suis trop contente. Cette brosse elle est d'enfer, donc je suis trop contente de me l'être achetée et honnêtement je regrette pas. Bien sûr, moi je suis une make-up addict, donc bien, bah, on repart dans le make-up. J'ai adoré, j'ai craqué sur eBay. Il y a la palette Too Faced Glamour, donc celle-là vous pourrez pas forcément la retrouver. Hein. J'ai craqué sur celle-ci parce qu'elle est magnifique. Juste, bon bah, elle a pas supporté les frais de port et elle a pas supporté non plus d'arriver. Et donc du coup, bah, j'ai un fard qui est cassé, mais que je peux quand même réutiliser. Il faudra que je regarde comment faire pour le ressouder. Mais honnêtement, hein, cette palette elle est magique. Elle a des tons mais magnifiques. Voilà, ça donne ça. Et je suis mais trop ravie de me l'être offert. Elle m'a coûté une trentaine d'euros. Hein, mais honnêtement elle vaut trop le coup. Bon bien sûr le jour où je l'ai ouvert j'ai mis le doigt dans le truc à lèvres. Je sais, je suis pas douée des fois. Mais donc il y a un blush, il y a un highlighter et tout pour pareil palette de voyage et tout. Donc franchement moi j'ai adoré craquer sur cette palette. Et je crois que j'en ai revu en plus une autre de Too Faced. Donc je vais encore craquer, je me connais. Et on continue, bah, j'ai craqué sur le dernier Milted, le Milted Metallic Chocolate Diamond. Alors celui-là il faut que je vous en parle vite fait, mais voilà j'en suis pas vraiment très contente. Il va bien si on le met par-dessus en fait un rouge à lèvres ou si on le met par-dessus un autre Milted. Parce qu'en fait il est brillant, il donne un petit peu de l'or sur les lèvres. Mais c'est pas quelque chose qui se teint les lèvres en chocolat. Moi je m'attendais à avoir les lèvres marron et non. En fait du coup ça m'a pas du tout fait les lèvres en chocolat. Ça m'a fait des lèvres, comment dire, brillantes, irisées. C'est bien pour un maquillage de soirée.
Mais honnêtement, à côté de ça, si vous devez l'acheter, je vous le dis, si c'est pas pour le remettre par-dessus un autre Miltine, ne l'achetez pas parce que tout seul, il vaut rien, quoi. C'est comme un. J'ai du mal. Un gloss pailleté blanc, enfin, qui sert pas à grand-chose, qui fait plus joli, quoi. C'est comme ce qu'on met par-dessus le vernis, quoi, en gros. Je sais pas. Mais bon, bref, moi, je trouve les sujets, j'aurais su, j'aurais pas acheté. Heureusement que j'avais pensé à acheter les autres avant, parce que si j'avais reçu que celui-là au début du mois, mais j'aurais mais pété un câble. On continue dans les achats puérils de mon âge, de mon époque princesse parisienne et tout. J'ai craqué, mais carrément craqué sur cette magnifique tasse qui dit I'm a pandicorn. Elle est pas trop belle. Franchement, je suis une gamine, c'est pas possible. Elle va rejoindre ma tasse princesse, je crois que je m'en servirai pas pour boire du thé ou. Parce que, de toute façon, j'ai déjà ma tasse chez Joma pour boire mon thé, donc je peux pas en reprendre une autre. C'est ma fétichiste. Mais à côté de ça, honnêtement, elle est pas trop belle. J'avoue, j'ai craqué que pour ça, parce qu'il y avait une truc de licorne, et puis ça m'a rappelé Louche, et puis une licorne, enfin, je suis voilà quoi. Ouais, j'avoue, mon homme n'est pas là aujourd'hui, heureusement, parce que s'il était là, il pèterait un câble. Il pèterait un câble. Mais bon, voilà, quoi. Elle m'a pas, enfin, voilà, elle m'a pas coûté grand-chose. Un peu plus cher qu'une tasse normale, quoi. Mais bon, franchement, vous auriez pas craqué à ma place. Oh, j'adore. Elle va même avec mon bracelet. De chez LL Création. Non, mais franchement, voilà. C'est mes couleurs. Enfin, c'est un panda avec une corne, quoi. Bref, je sais. T'as addict ou pas. Et j'ai même pas encore les soldes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le premier jour. Donc voilà, bref. Pour finir, j'ai craqué. J'adore Paris. C'est ma ville. C'est maman tout. J'adore Paris. J'adore la Tour Eiffel. Du coup, j'ai craqué sur cette charmante montre trop chouquinette. I love Paris. Elle est trop belle. Et donc avec la montre, il me fallait une palette, enfin quelque chose qui aille avec le Paris quoi. Du coup, j'ai craqué pour Paris, mais la ville quoi, et bah qui dit montre, qui dit palette, qui va avec. Et donc voici la palette magique que j'adore, que je trouve trop belle, qui est la couleur de mes yeux. Et donc voilà, ça donne ça à l'intérieur. Elle est pas trop belle, franchement. Donc, ah, j'adore là, j'ai trop classe. J'ai une loupe qui refait comme si. C'est trop beau, j'adore. J'adore l'effet. Arrow, c'est la boîte qui tient ma caméra, hein, faut pas vous inquiéter. Donc voilà, elle est comme ça à l'intérieur, elle est juste magique. Moi, j'adore. Et ces couleurs-là, blondes, mais enfin, blondes. Ces couleurs bleu nuit, tout pour un maquillage de soirée, juste magique. Donc je vous le dis, en plus, il y a les Champs-Élysées. C'est marqué l'arc de mon regard est un triomphe. Voilà, que demander de plus? Voilà. Et en plus, il y a un nœud papillon là, c'est trop chouquinou, moi j'adore. Donc voilà, voilou, c'était la dernière chose que je me suis achetée ce mois-ci. Promis, stop, j'arrête. De toute façon, on est fin du mois, c'est pratique. Il me reste 10 jours, mais sans j'ai plus de paye. Donc voilà, j'attends la prochaine paye. Je vous ferai une nouvelle vidéo comme ça. Si vous avez aimé mon haul de tous mes achats du mois, bah dites-le. Si vous n'avez pas aimé, dites-le aussi. Comme ça, je saurai quel genre de vidéo vous voulez que je continue à faire. En attendant, j'ai toujours un concours qui est actif où vous pouvez gagner un max de super beaux produits. Alors allez-y. Partagez, abonnez-vous, likez, faites-vous plaisir. Moi, je me fais vraiment plaisir en faisant ces vidéos. Je sais, je parle trop avec les mains. Sur ce, je vous aime très, 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 très fort. Je vous dis à très bientôt. Et puis, c'est tout. À bientôt, les amours.